Bah, je m'appelle Kendo et je pratique le graffiti, donc la peinture sur mur dans la rue. Je travaille beaucoup sur la lettre, le mouvement et la couleur. J'exerce depuis 25 ans. J'ai commencé, j'avais 12 ans. J'ai commencé au collège et j'ai commencé par du tag pendant quelques années. J'ai grandi à Paris, donc j'évoluais pas mal dans le métro. Et petit à petit, je me suis calé sur les murs et je suis arrivé à Bordeaux à 17 ans. Et là, je me suis mis vraiment à fond dans le graffiti et la peinture. Je suis arrivé à Bordeaux, j'étais lycéen. Après, ayant eu mon bac, je me suis fait une année à New York. Je suis parti faire serveur à New York, qui pour moi était la Mecque du graffiti. Et donc j'ai vécu un an là-bas, entre travail et graffiti. J'habitais dans Harlem, donc dès que j'avais un jour de repos, en fait, je prenais le métro, je montais dans le Bronx avec mon appareil photo et je redescendais à pied. Et je tombais deux, trois péloches. Voilà, je me faisais kiffer au hasard des rues en redescendant, quoi. Et donc je découvrais les graffs des légendes new-yorkaises de l'époque, quoi, des pionniers du graffiti. Une époque où New York n'avait pas encore subi de nettoyage. Il y avait encore de la couleur dans la rue, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui dans ces quartiers-là. J'ai un mouvement bien précis, ce serait triste de se mettre soi-même dans une case. Je pense que c'est pas du tout bon pour n'importe quelle personne qui veut être créative. Après, voilà, moi j'ai quand même une passion pour la lettre, le flow qui peut s'en dégager. Je reste relativement académique, enfin, c'est mon point de vue, que je me trouve assez académique par rapport à tout ce qui peut se faire aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler le street art, voilà, qui est un dérivé du graffiti. Ouais, j'appartiens à un courant, on peut dire académique, une école parisienne où voilà, la lettre est très importante. À mes inspirations, bah, principalement donc, ce que j'ai vu en grandissant, donc certains kings parisiens tels que les anciens, les mecs qui sont dans les GT aujourd'hui, des mecs des MKC, qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, il y avait pas mal de groupes qui cartonnaient bien à l'époque. Puis après, je me suis quand même ouvert sur la peinture. Après, dans le graffiti, il y a eu des mecs comme Nasty aussi. Ouais, les AEC m'ont beaucoup influencé. Nasty, Mode 2, de par leur couleur, en fait. Quand j'étais ado, je kiffais grave leur fraîcheur. Je pense qu'ils m'ont pas mal influencé, justement, sur la couleur. Des mecs comme Daze aussi. Ensuite, des gars comme Leos, Gemeos. Tout ça pour la couleur. Et après, je me suis aussi inspiré de plein de choses. Enfin, quand tu vois des gars comme Jackson Pollock, Georges Mathieu, donc des peintres contemporains. Voilà, et puis j'ai des coups de cœur aussi pour d'autres peintures, telles que la peinture avant la Renaissance, la peinture sacrée d'avant la Renaissance, telles que les peintures de Giotto par exemple, qu'on peut trouver en Italie. Les peintures de Gauguin aussi, j'aime beaucoup, voilà, parce qu'il se dégage quelque chose de mystico-sacré qui me parle beaucoup. Et après, mes inspirations depuis une dizaine d'années aussi sont vachement orientées vers le cosmos grâce à Hubble, le satellite, qui a pu montrer la beauté du cosmos et qui a réussi à sensibiliser beaucoup de gens, enfin j'en suis l'exemple, quoi, justement à ça, quoi. C'est-à-dire que par l'esthétique, je me suis intéressé au fond théorique du cosmos que je retransmets de manière esthétique dans ma peinture. Ma deuxième expo solo, deuxième ou troisième expo solo qui a été à Dax, s'est appelée Nebula. Voilà. Là, c'est un mot latin qui veut dire nuage, en fait, donc les nuages de poussière qu'on peut obtenir hyper facilement à la bombe. Les bulles aussi, qui représentent les planètes, les splashs, enfin tout ça, ce magma, ce chaos, ce Big Bang, ce bouillon de peinture, en fait, qui s'apparente aussi à cette soupe primitive qu'on peut imager au début de l'univers, quoi. Voilà. Donc, ouais, mes expos. Après, j'ai eu une autre expo solo aussi, qui s'appelle Children from Nebula. Et puis dans diverses installations telles que Transfert, une grosse expo qu'on organise avec des amis sur Bordeaux depuis 5 ans, mes pièces sont dans cette veine-là. Voilà, au premier degré esthétique sur le cosmos, ou dans un deuxième ou troisième degré aussi, mais ça fait toujours référence à ça. On a un projet avec l'urbanisme à Pessac là, qui doit se faire fin août, là, qui est assez intéressant.
Et après, je pars en résidence quelques mois au Brésil, pour, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, pour capter la lumière et la vibe et la retransmettre dans mes tableaux et mes murs.